C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à tous et à toutes. Après le prix Nobel de physique, place au prix Nobel de chimie décerné cette année aux trois pères inventeurs de la batterie lithium-ion. Bienvenue à cette édition. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC, organise sa journée scientifique depuis ce matin dans ses locaux à Ouagadougou. Ces journées qui sont prévues se tenir jusqu'au samedi visent la valorisation de la production des stagiaires de la 31e promotion. C'est une journée d'une grande importance pour la direction de l'école. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, une visite à des stands a été conduite par les responsables de l'ISTIC. Ce sont essentiellement les travaux des stagiaires qui y sont exposés. Il s'agit des mémoires de fin de cycle, des recherches dans plusieurs domaines techniques et technologies, des médias, des productions en télévision, en radiodiffusion, en presse écrite et en presse en ligne. Un autre sujet à présent dans cette édition, qu'est-ce que les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, quelles sont les causes de ces pratiques et quelles en sont les conséquences sur la gente féminine au Burkina Faso et en Afrique? Le débat a été tenu ce lundi à Zinyaré. L'ONG Voix de Femmes, en collaboration avec Le Gallo, ont fait des plaidoyers aux hommes et femmes de médias pour un accompagnement dans la lutte contre ces pratiques néfastes qui touchent l'intégrité de la femme. Le reportage est de Jonas Tondé et de Fabienne Sawadou. L'enquête démographique et de santé EDS de 2010 indique que dans notre pays, c'est quand 2% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant l'âge de 15 ans. En outre, l'analyse des données de l'enquête multisectorielle continue, EMC, de 2015, fait ressortir que 32,28% des filles âgées de 15 à 19 ans sont mariées et que 0,10% des garçons de la même tranche d'âge le sont également. Quant aux mutilations génitales féminines, les mêmes sources révèle que la prévalence des MGF chez les femmes de 15 à 49 ans est passée de 75,8% en 2010 à 67,3% en 2015. Relativement à la santé et aux droits sexuels et de reproduction, le constat n'est pas meilleur. Des milliers de femmes recourent toujours aux avortements clandestins au Burkina Faso, avec ce que l'on sait comme connaissance, en fait, à cause de la méconnaissance de la santé sexuelle et reproductive. À cet effet, je vous suggère que chacun de vous, de façon individuelle, devienne spécialiste de ces problématiques de discrimination sexiste. Que chacun de vous ici présent, avec sa plume, son micro ou sa caméra, raconte les histoires des femmes et des enfants victimes de ces tragédies dignes d'une autre époque. Faites savoir au monde entier que ces femmes et ces enfants souffrent de pratiques anachroniques qui leur sont imposées par leur propre société. Et nous ouvrons l'actualité hors de chez nous. Plus de peur que de mal sur le vol ET-908 d'Ethiopian Airlines reliant Dakar à Bamako. Hier mardi, juste quelques minutes après son décollage de l'aéroport international de Dakar, l'avion a manqué de se crasher en raison d'un souci technique. Ces passagers du vol ET-908 de la compagnie Ethiopian Airlines viennent de vivre la peur de leur vie. L'appareil dans lequel ils se trouvaient, un Boeing 767-300 qui devait assurer le trajet Dakar-Bamako-Addis Abeba, a frôlé le crash quelques minutes après son décollage ce mardi. Sur ces images amateurs prises par un passager à bord, on voit de la fumée se dégager d'une aile de l'avion qui avait décollé de l'aéroport Blaise Diagne de Dias à quelques kilomètres de Dakar pour la capitale malienne lorsqu'un problème technique est survenu. Les faits se sont déroulés entre 8h20 et 8h30, raconte un passager cité par le site sénégalais Dakar Actu.
Le témoin révèle avoir entendu un gros bruit et vu de la fumée se dégager de la climatisation juste après le décollage. Mais après quelques minutes de panique, du fait notamment des alertes sans réponse du pilote à la tour de contrôle, l'appareil a pu atterrir d'urgence sans faire de victimes. Une catastrophe évitée de justesse qui rappelle le terrible crash du Boeing 737 MAX de la même compagnie le 10 mars dernier. L'appareil qui s'était écrasé 6 minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba à destination de Nairobi avait à son bord 157 personnes. Aucune n'a survécu. Toujours en Éthiopie et un autre sujet à présent, un enseignant soudanais se met volontairement à l'enseignement des enfants réfugiés dans l'ouest du pays. Suivons ensemble. Kouat Rett, âgé de 41 ans, avec près d'une décennie d'enseignement à son actif, il a consacré sa vie à l'enseignement des réfugiés du Soudan du Sud dans le camp de Jewi, dans l'ouest de l'Éthiopie. L'enseignant soudanais donne des cours supplémentaires à plus de 100 enfants entassés dans sa classe pour rattraper leur état scolaire en raison des combats au Soudan du Sud. J'apprends à ces enfants à devenir médecins, présidents ou pilotes. Mon rôle est donc de faire du bénévolat pour apprendre à ces enfants à se construire un bel avenir au Soudan du Sud, à être utile. Quoi, tu es aussi victime de guerre? Avec sa famille, il a fui en Éthiopie en 2015. Dans le camp de Jewi, les deux tiers des 54 000 réfugiés du Soudan du Sud sont des enfants. L'instabilité dans le pays a privé de nombreux enfants de scolarité. Il invite ses collègues à tout faire pour réduire l'écart en matière d'éducation. L'enseignant se porte également volontaire pour enseigner les adultes dont l'éducation a été perturbée par la guerre civile. Cet enseignant atypique veut un avenir meilleur pour le Soudan du Sud par le biais de sa jeune génération. Et c'est pourquoi, contrairement à nombre de ses collègues, il a cessé de réclamer le salaire mensuel de 27 dollars de Plan International et d'autres partenaires pour s'adonner à sa vocation. Je vous l'annonçais en titre, après le prix Nobel de physique, voici les lauréats du prix Nobel de chimie. Le prix a été décerné aux trois pères inventeurs de la batterie lithium-ion. Les pères de la batterie au lithium-ion récompensés par le Nobel de chimie. L'Américain John Goodenough, le Britannique Stanley Whittingham et le Japonais Akira Yoshino ont été salués par l'Académie suédoise royale des sciences pour avoir notamment rendu possible la révolution de la téléphonie mobile. Whittingham, en quête de sources d'énergie non fossile, avait conçu la première batterie au lithium dans les années 70. Goodenough avait doublé son potentiel de production d'énergie et Yoshino en avait éliminé le lithium pur, la rendant plus sûre. Des décennies plus tard, les batteries au lithium équipent nos portables et une multitude d'objets électroniques, mais aussi des véhicules électriques en plein essor, sur fond de réchauffement climatique. Nous parlons de la lutte contre le terrorisme avant de refermer cette édition. Israël met en place une nouvelle technique tic-tac jugée rapide pour localiser et arrêter des suspects. Le Easy Rider est ce véhicule à tout terrain pour la police des frontières. Offrir une solution tactique et permettre une intervention rapide pour localiser et arrêter des suspects. Voici l'objectif de ce véhicule, le Easy Rider. De confection civile, il a été adapté à des besoins sécuritaires pour une unité commando de la police des frontières. Ce que nous voyons derrière nous, ce sont les hommes de l'unité Métilane, responsables des embuscades, observations et mouvements. Une partie de leur expertise, c'est d'arriver le plus rapidement sur place et de se camoufler. Un véhicule tout-terrain, capable, selon cet officier, de franchir tous les obstacles. Régions montagneuses, rocailleuses, sablonneuses. Il a même été testé avec succès dans un tunnel ferroviaire en cas d'attaque complexe. D'autres unités au sein des gardes frontières utilisent ce véhicule. Je peux confirmer que le YAMAM, l'unité d'élite antiterroriste de la police, l'utilise déjà sur le terrain. Mais la division tactique est la première et la seule unité sécuritaire au monde à disposer de ce moyen de transport spécial. Il peut rentrer à l'intérieur des tunnels du Hamas. Nous ne l'avons pas encore essayé dans les tunnels, mais oui, je confirme qu'il peut le faire et donner une réponse rapide pour une intervention rapide de nos hommes à l'intérieur.
Cet outil de transport aurait déjà permis des arrestations de terroristes et de criminels recherchés. Mais secret professionnel oblige, nous n'en saurons pas davantage. Comme vous pouvez le voir, il est particulièrement difficile de rester en équilibre sur cet appareil, ce que l'on appelle le Easy Rider, le seul outil opérationnel et tactique capable de répondre aux menaces terroristes et criminelles en Israël et dans le monde au service de la police israélienne. On se tient prêt pour arrêter un vendeur d'armes illégales. Tu surveilles nos arrières. Toi et lui, vous surveillez devant nous, tout en observant les lieux. On est tous en position couchée. À partir du moment où vous entendez « action », on se lève, on monte sur les véhicules et on se rend sur place, ok ? Et son utilité est multiple sur le terrain. Transporter des tireurs d'élite, des unités d'observation, sans oublier, bien sûr, de permettre aux combattants d'aller au contact de l'ennemi. Je n'ai pas de doute sur le fait que ce type de véhicule est un exemple, tant pour la police israélienne que pour l'armée israélienne, et que pour d'autres unités, sur nos capacités et sur les différents scénarios auxquels nous devons faire face. Une manière de conserver une doctrine sécuritaire qui a fait ses preuves sur le terrain, sans jamais oublier de chercher à la moderniser. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Nous disons bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Fada. Excellente suite de programme sur Canal Virukaga de Mirebini. En Christ Jésus, bonsoir chez vous.